Donc, bienvenue dans cette web conférence sur la rénovation des bâtiments tertiaires. Quelques mots pour vous dire que la rénovation des bâtiments tertiaires est effectivement cruciale pour les années futures, notamment dans le contexte climatique que nous avons aujourd'hui. Alors, si tu peux passer le. Voilà. Quelques éléments de contexte. Les bâtiments sont les plus gros consommateurs d'énergie et émetteurs de gaz à effet de serre. En tout cas, c'est l'un des plus gros secteurs contributeurs d'émissions de gaz à effet de serre avec les transports. Le changement climatique reste une réalité et le secteur du bâtiment doit agir vite. Et pour agir vite, il faut notamment agir sur les bâtiments existants et donc les rénovations dans les prochaines années. Du point de vue des acteurs publics, plusieurs actions sont lancées pour réduire la consommation énergétique et les émissions de carbone. Le plan France Relance, qui est axé sur la rénovation énergétique, avec une enveloppe de 4 milliards d'euros environ, que ce soit sur les bâtiments résidentiels ou non résidentiels. Il y a aussi l'arrivée de nouvelles réglementations en lien avec le climat, donc la réglementation RE 2020 pour les bâtiments neufs, et puis pour la rénovation et les bâtiments existants, le décret tertiaire, pour les bâtiments tertiaires en particulier. Et puis, dans ce cadre-là, il y a des financements pour inciter à rénover les bâtiments, à mettre en place des plans climat, etc. Si on peut changer de slide. Donc, par rapport à cette urgence climatique, et donc pour atteindre les objectifs qui ont été fixés, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, donc le secteur du bâtiment doit impérativement s'orienter au-delà des bâtiments neufs sur les bâtiments existants et les rénovations, puisqu'on s'aperçoit au niveau européen que 85% du parc immobilier a été construit avant 2001. Avec, comme nous l'avons vu chez Certivia, dans des projets européens, des niveaux de qualité des bâtiments qui sont très variables selon les pays. Et puis, on sait aussi que 85 à 95% des bâtiments qui existent aujourd'hui seront toujours là en 2050, et donc d'où l'urgence de travailler sur ce parc existant pour rénover ce parc du mieux possible pour qu'il reste dans une trajectoire convenable du point de vue énergétique ou changement climatique. Slide suivant. Ouais. Donc la rénovation des bâtiments tertiaires effectivement, va traiter principalement les consommations d'énergie et diminuer la facture énergétique des ménages pour les bâtiments résidentiels ou des entreprises pour les bâtiments tertiaires. Et puis, le fait de travailler sur cette amélioration énergétique des bâtiments va de facto diminuer aussi les émissions de gaz à effet de serre et puis agir sur les conditions d'utilisation des bâtiments pour leurs usagers, notamment sur les conditions de confort, avec de plus en plus de préoccupations sur. Alors, c'était le slide précédent. De plus en plus de préoccupations sur le confort des occupants, notamment le confort thermique, avec les canicules qui ne vont pas manquer de se multiplier dans les années à venir. Et on sait que cette action sur la rénovation, bénéfique au plan énergétique, émissions de gaz à effet de serre et de confort, va aussi avoir un impact sur la productivité dans les bâtiments tertiaires et sur la valeur de ceux-ci. Alors là, on peut passer au suivant. Donc, comme vous le savez, Certivia accompagne les acteurs publics et privés depuis environ 15 ans pour intégrer le développement durable dans leurs projets, notamment de bâtiments en rénovation. Et la certification de rénovation de Certivia, qui se décline sur les certifications HQE, mais aussi sur les labels énergétiques notamment. C'est une démarche éprouvée, co-construite avec les professionnels du secteur, et qui permet la mise en place d'actions et de valorisation des résultats pour les acteurs qui s'engagent dans ces certifications.
Alors, je vais passer la parole à Benoît qui va vous présenter plus en détail, je pense, de l'offre de Certivia sur la rénovation. Oui, tout à fait. Merci Christophe. Donc je vais également de mon côté partager l'écran puisque je prends la main. Voilà. Et donc il devrait y avoir la suite de la présentation pour tout le monde en visu. Donc merci Christophe pour ces éléments contextuels et on va dire de bénéfices et d'intérêts pour ces certifications en rénovation, certification et labellisation. Donc moi je suis responsable développement sud-est de Certivea et donc voilà, j'ai notamment fait le lien avec la présentation du projet qui va vous être présenté donc à la suite par Alto, donc la rénovation du bâtiment de la CARSAT. Alors quelques éléments un petit peu en complément parce que c'est d'usage sur Certivea, donc vraiment très très succinctement, et puis je vous donnerai ensuite quelques chiffres clés avant de laisser la parole donc à Alto, puisque un exemple vaut plus qu'un long discours. Donc Certivea, quelques informations préliminaires. On est leader français de l'évaluation et de la certification dans des enjeux de développement durable historiquement et sur un périmètre de bâtiments non résidentiels. Donc allant évidemment d'une toute petite crèche jusqu'à un très gros bâtiment de type hôpital en passant par des bureaux, etc. On est filiale à 100% du CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment que je ne représente pas, et on est un organisme tiers de confiance puisqu'on est en tant qu'organisme de certification nous-mêmes accrédité par le COFRAC, le Comité français d'accréditation. Voilà, donc on est nous-mêmes un petit peu surveillés sur notre activité, évidemment. Nos objectifs et nos missions, très brièvement, donc c'est d'accompagner les professionnels privés et publics dans ces transitions qui sont donc environnementales historiquement, mais aussi sociétales et plus largement économiques et numériques. Faire progresser l'ensemble de ces professionnels dans les enjeux du développement durable, favoriser l'amélioration des performances, on l'a vu, hein, sur ces enjeux contextuels présentés par Christophe. Voilà, il y a un fond sur lequel on doit travailler. Mieux orienter donc les choix d'investissement, évidemment, une certification permet aussi de faire des choix. Mieux prendre en compte le bien-être des utilisateurs. On a parlé de canicule avec Christophe, hein, c'est évidemment un souci qui transpire dans les enjeux et dans les exigences des référentiels de certification ou de labellisation. Et évidemment, valoriser, hein, tous ces efforts. Donc, il y a du fond et de la forme, donc de la valorisation pour mettre en avant, mettre en lumière les performances supplémentaires, puisque l'objectif d'un label ou d'une certification, c'est de dépasser les minimums réglementaires. Et donc, ça permet d'être une caisse de résonance pour justement valoriser ces performances supplémentaires. Sur l'ensemble comment dirais-je, des certifications et des labels que l'on délivre en rénovation, hein, donc là on est bien exclusivement zoomé sur l'application rénovation, eh bien, il y a un certain nombre d'enjeux, de thématiques, si vous voulez, sur lesquelles on a aujourd'hui des réponses que l'on peut apporter. Donc on a deux approches multithématiques, multi-enjeux, qui sont donc les premières cases grises à droite de cette espèce de cercle rosace. Donc à droite, vous avez en enjeu multithématique la certification HQE bâtiment durable, version 2019, la plus récente, mais également l'ancienne, la certification NF HQE bâtiment tertiaire, avec ses déclinaisons pour les équipements sportifs, pour la santé, qui existent toujours. Voilà, donc deux approches un petit peu similaires, mais qui ont des justifications d'exister en parallèle. Et puis en monothématique, donc vraiment mono enjeu, on va avoir des labels qui vont centrer leurs exigences sur des enjeux spécifiques. Donc on le voit avec le label Osmose par exemple, hein, qui suit, si je prends dans le sens des aiguilles d'une montre. On va avoir le label Osmose avec la qualité de vie au travail, la qualité des cadres de travail. Le label Serenity pour des aspects de sécurité, de sûreté, tant physique que numérique. Il va y avoir donc pour tout l'aspect enjeu énergétique, les labels d'Efinergie, Efinergie Rénovation et le label d'État, label Efinergie Rénovation 2009. En enjeu sur la biodiversité, on retrouve le label Biodiversity qui a été créé par le CIBI, on est partenaire pour le délivrer en leur nom. Les enjeux du numérique à travers notre partenaire qui est la Smart Building Alliance, avec qui on a co-créé le label R2S, Ready to Services, pour donc valoriser les enjeux du bâtiment numérique.
Et sur la trame également de ce que peut être un bâtiment dit smart. Voilà. Donc très brièvement. Alors, quelques éléments un petit peu chiffrés pour finir cette partie un petit peu introductive. Il faut savoir que donc sur ces certifications et labels que l'on délivre depuis 2005, c'est environ 700 certificats ou labels délivrés. Ce qui correspond à peu près, hein, à, on va dire, à, linéairement 50 bâtiments par an, mais en fait, c'est en croissance. Donc, c'était moins, évidemment, au début, et c'est plus aujourd'hui. Si on regroupe sur le camembert, si on regroupe les labels, hein, on voit les deux premières parties en jaune et marron, donc on est à peu près à 40% donc des certificats et des labels qui sont délivrés qui sont de l'ordre du label, donc plutôt mono-enjeu, centré sur l'énergie. Et plus largement en multithématique, on a 60%. Des ouvrages qui sont certifiés. Alors évidemment, un ouvrage peut être certifié et labellisé, hein, c'est pas incompatible, mais en tout cas, voilà, sur le découpage, grosso modo, c'est 60-40. En termes de découpage, cette fois plutôt géographique, donc évidemment, on retrouve ici l'ensemble des certifications et des labels délivrés. On a évidemment l'Île-de-France, hein, qui représente 60% du camembert, donc 60% des certificats et des labels délivrés. Et hors Île-de-France, la première région, c'est la zone sud-est Aura, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, et suivie d'assez près par la Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France. Voilà, c'est les trois régions majeures sur lesquelles on va retrouver. Alors le découpage, hein, on n'a pas poussé jusque-là, mais principalement souvent en région, on retrouve plutôt des aspects de labellisation, un peu plus que de certification. Sur le découpage des acteurs qui vont porter ces projets de labellisation ou de certification, on a une très grande majorité d'acteurs privés. Hein, Christophe l'a un petit peu notifié tout à l'heure très brièvement, mais il y a des enjeux évidemment de valorisation des actifs, qui sont des enjeux principalement de l'ordre du privé. Et le public aujourd'hui s'empare de cette problématique, mais de manière plus récente. Et donc, sa part est pour l'instant plus faible, mais on a évidemment à cœur que cette part puisse augmenter, et je pense que le décret tertiaire, notamment, va y contribuer. Et ensuite, sur les typologies d'ouvrages, en tout cas les secteurs d'activité, on a évidemment une grande part majoritaire, hein, d'actifs qui sont des bureaux, et puis quelques éléments, notamment sur la santé, qui peuvent être remarquables. Le reste est relativement secondaire pour l'instant. En termes de surface, on se rend compte que ce n'est pas forcément des très gros projets qui vont chercher les labellisations ou les certifications. On a un premier tiers, même un peu plus, 35%, qui sont inférieurs à 5000 m². Alors, évidemment, 5000 m², vous me direz, c'est déjà assez gros, en effet. Mais malgré tout, dans cette part, on en a quand même, en fait, on a été obligé de faire des cases, hein, des grandes cases, mais inférieurs à 5000, on en avait beaucoup qui étaient en dessous de 2500. Voilà. Ensuite, on a entre 5 et 10 000 qui sont, pareil, un gros tiers. Et enfin, un dernier tiers pour les supérieurs, on va dire, à 10 000 m², découpé en fait en trois sous-catégories. C'est pour ça que je les ai mises en vert, dégradé de vert. On a voilà, 8%, 9% respectivement pour les extrêmes, et puis de 15 à 20 000 m², 16%. Voilà. Mais ça, c'est important à retenir. On a trois grandes familles, entre inférieur à 5 000, entre 5 et 10 et supérieur à 10 000. Donc, c'est pas, voilà, l'idée à retenir, c'est que ce n'est pas forcément des très gros projets qui vont forcément être capables d'aller chercher les certifications et les labels. Et enfin, sur cette différence justement entre certificat et label délivrés, eh bien, on retrouve ici une grande part, on l'a dit, hein, de certification HQE, HQE bâtiment durable 24% et NFHQE 17%. Donc là, c'est spécifiquement sur l'année 2020. Hein, c'est un petit zoom, une petite focale spécifique sur l'année 2020. Les labels, un tiers de labels énergétiques. Et puis, on le voit, hein, l'arrivée des nouveaux labels, notamment de Osmose, alors décliné avec les deux versions, hein, la préattestation Ready to Osmose et Osmose, le label officiel. On est donc aux alentours des 15%. Le label R2S, 9%, et le label Biodiversity, 3%. Donc, on voit, hein, l'arrivée de ces nouveaux labels qui sont des enjeux majeurs aujourd'hui, hein, pour l'immobilier et qui sont une réponse, notamment dans les programmes de rénovation. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je vais passer la parole à Alto pour nous parler justement du bâtiment de la CARSAT qui a subi une lourde rénovation. Et donc, je les en remercie, hein, de leur participation à ce webinaire aujourd'hui.
Voilà, je vous passe la main tout de suite en arrêtant le partage. Voilà, c'est à vous. Bonjour à tous. Merci, merci à Sartiva pour cette introduction et merci à tous pour assister à cette présentation. Donc, je suis Maxime Morel, donc chef de projet au pôle performance environnementale chez Alto Ingénierie. Et je serai accompagné de ma collègue Carole Lehmann, donc chargée de mission garantie de performance énergétique, avec qui je vais faire cette présentation aujourd'hui. Donc, je vais commencer par faire une brève présentation du bureau d'études de Alto Ingénierie. Donc, Alto Ingénierie présente depuis 29 ans un bureau d'études multidisciplinaire qui intègre dans ses missions la qualité environnementale et la performance énergétique. Donc, je vais passer. Je vais donner le contrôle à Carole. La répartition de Alto Ingénierie au niveau national, donc trois bureaux, donc l'agence à Paris et le siège à Paris, pardon, et deux agences à Lyon et à Bordeaux, pour un total un effectif de 80 personnes réparties en six pôles que vous voyez ici, donc thermique et fluide, performance environnementale, électricité, courant faible, simulation numérique, suivi de travaux et production BIM synthèse. Au sein de ces différents pôles, nous avons six dominantes d'expertise, donc six activités que nous proposons, le commissionnement, l'éclairage, le BIM, Smart Cities, la QAI et les missions écologues. Nous avons aussi une filiale Alto 2 au Canada, à Montréal. Quelques références dans Alto Ingénierie, c'est 985 projets. On a ici des références de différentes typologies, donc le siège de la CARSAT, le sujet d'aujourd'hui en rénovation. On a aussi du groupe scolaire avec l'IMVT à Marseille et le lycée de Mauges-Beaupréau à prix de construction durable 2016. On a également du logement ici à Agnières-sur-Seine et du bureau avec le Hive et Zenora et également du culturel avec, avec l'accord Hotel Arena de Paris. Je vais laisser maintenant la parole à Carole Lehmann pour débuter la présentation de l'opération. Bonjour. Voilà, donc on a travaillé sur la rénovation du bâtiment qui est le siège social de la CARSAT Rhône-Alpes. Donc il est au centre de Lyon. Notre maître d'ouvrage est la CARSAT Rhône-Alpes, c'est-à-dire c'est la caisse de retraite régionale Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, c'est un organisme privé qui est chargé de la mission publique de la gestion des retraites et de la santé au travail. Et son siège, donc il est propriétaire de son siège et occupant. C'est un bâtiment que l'on voit en photo ici, qui a été construit dans les années 60, qui a été rénové fortement en ce qui concerne les façades dans les années 90. Et il était, voilà, il s'était devenu un bâtiment obsolète. Et notre maître d'ouvrage a souhaité une rénovation lourde de ce bâtiment. Il voulait embarquer dans cette opération une performance énergétique élevée. Et puis, il voulait aussi que ça se traduise par un bâtiment confortable et sain. C'est pour ça qu'il a souhaité aussi la certification HQE. De manière à porter sa mission, hein, puisque c'est la santé au travail. Il souhaitait avoir un bâtiment sain. Compte tenu des investissements et de la lourdeur de la rénovation, il souhaitait que les résultats soient obtenus, soient vérifiables, soient garantis. Donc, il a souhaité mener cette opération sous un format crème, c'est-à-dire conception, réalisation, exploitation et maintenance, avec une exploitation-maintenance sur 5 ans. Pour ce faire, donc c'est et d'y adosser à ce crème un contrat de performance énergétique, un CPE. Donc, il s'est entouré d'assistants à maître d'ouvrage, en particulier le cabinet Einstein-Welter pour la partie environnement et performance énergétique, et entouré aussi d'autres spécialistes. Il y avait un sujet amiante,
Voilà, donc il a lancé cette opération en 2016. Bon, il a donc préparé au préalable et le concours qui était un dialogue compétitif en trois phases a été mené sur les trois quarts de l'année 2016. Voilà, donc on était trois groupements candidats. Nous avons été retenus. Le groupement, je vais vous le présenter dans la slide après. Donc 2016, l'année du concours, et 2017, on a été choisi et l'opération, après avoir signé le contrat pour ce marché de crème, l'opération a débuté. Une petite année de signature de marché, de finalisation d'études. En fait, le dialogue compétitif, c'était sur de niveau APS. Donc, on a déroulé les phases APD et PRO. Puis, 2 ans de travaux et ce bâtiment a été livré fin 2019. Donc, on a fini la première année d'exploitation. Année d'exploitation, donc principalement 2020, avec les aléas qu'on connaît tous. Et une occupation donc toute particulière des bureaux. Donc les acteurs du projet, le maître d'ouvrage la CARSAT, assisté par Einstein et Walter pour la partie environnement et énergie, et donc le groupement d'opérateurs dont on fait partie est composé de Léon Gross pour Entreprise Générale et qui était mandataire sur la partie conception-réalisation. Engie, qui est exploitant-mainteneur et qui est à présent mandataire puisqu'on est sur les phases exploitation-maintenance. L'architecte, ce sont les ateliers 2, 3, 4. Le bureau d'études fluides et Barbanel. Et le bureau d'études environnement et énergie, donc c'est nous-mêmes, Alto Ingénierie. Alors, donc c'est un immeuble de bureau qui fait à peu près 12 000 m² de surface de plancher en ce qui concerne les bureaux. Voilà, et puis on avait aussi d'autres bureaux d'études au sein du groupement. Il y avait un sujet structure qui a été porté par Cogessi, des petits soucis d'amiante par CETEC et l'acoustique conseillé par EAI. Je vais laisser de nouveau la parole à Maxime pour l'environnement. Donc, pour ce qui est des objectifs, donc d'abord environnementaux, au niveau de la certification HQE, on est parti sur une certification HQE Rénovation 2015 avec un objectif d'atteindre le niveau exceptionnel. Donc voici le profil qui a été choisi et suivi et du coup atteint à l'issue de la réalisation du projet. Donc un HQE exceptionnel 13 étoiles avec les thématiques énergie et environnement particulièrement poussé, donc thème énergie avec un CEP à moins 40% atteint. Au niveau énergétique, on avait un objectif de réduction des consommations de 75%, donc atteindre le fameux facteur 4 sur le périmètre post-RT. Pour ce qui est des informations essentielles de l'opération, donc, qui ont déjà été en partie présentées par Carole, hein, donc on a 18 000 m² de SDP de bureaux. Le projet se situe rue Flandin, donc il est au niveau du côté Villette de la Part-Dieu. On est en R+8, donc le dernier étage est en l'étage de direction est en double hauteur pour ne pas avoir à se soumettre à la réglementation IGH. Donc on verra des illustrations plus tard pour que vous vous rendiez compte de l'espace. On a un total de 825 usagers dans ce bâtiment de bureau. Une spécificité également, c'est qu'on a un data center au rez-de-chaussée, donc le serveur de la CNPI qui contient les informations des retraites des Français. Donc on a dû considérer aussi bien en conception qu'en réalisation, parce qu'on ne devait absolument pas couper cet espace qui devait fonctionner en continu. C'était une contrainte supplémentaire qu'on a réussi à tirer en avantage au cours de la conception, vous le verrez ensuite.
Et pour ce qui est des missions d'Alton Ingénierie au cours de cette opération, donc on a eu les quatre missions qu'on voit détaillées ici, donc la qualité environnementale, le management de la performance énergétique, la mesure et la vérification de la performance énergétique, donc ces trois missions qui s'étalent jusqu'à l'exploitation, et la simulation énergétique dynamique qui nous a permis de créer un modèle pendant la conception, qu'on a mis à jour pendant la réalisation et qu'on va utiliser pour comparer en exploitation. Je laisse la parole à Carole pour présenter l'enveloppe et les spécificités techniques du projet. Voilà, donc le projet de rénovation, comment on l'a abordé et puis ce qu'il compose dans les grandes lignes qui sont en lien avec notre sujet qualité environnementale et performance énergétique. Donc c'est des travaux qui ont été effectués en site libéré, hein. Il n'y avait plus d'occupants. La difficulté que soulignait Maxime était par contre un data center au rez-de-chaussée qui est hors périmètre de notre opération de rénovation, et mais qui devait, on devait avoir une continuité de service sur le data center qui gère toutes les données retraite françaises. Donc il y avait un vrai risque important et donc vis-à-vis du chantier, ça s'est traduit par beaucoup de précautions vis-à-vis des poussières et des vibrations. Il n'y a pas eu d'embûches, bien heureusement. Donc le projet de rénovation, bon, on l'a abordé comme souvent dans les bâtiments performants en traitant l'enveloppe. Donc la façade rideau existante était largement obsolète, aussi bien au niveau esthétique que performantiel. Donc il y a en fait eu une déconstruction de quasiment tout sauf la structure béton. Et donc il y a eu une nouvelle façade rideau de conçue à cette occasion. Alors, vous voyez sur l'image, donc c'est principalement de la façade rideau à tous les niveaux, avec des consoles, des couteaux qui viennent porter des coursives et une double peau déportée. Alors, c'est une double peau complètement poreuse, hein. Cette double peau, elle est simplement constituée de brise-soleil. Et on a une alternance de brise-soleil verticaux et horizontaux. Alors, je vous montre avec la souris. Voilà les verticaux et les horizontaux, ben, comme on a l'habitude d'en voir, hein, du BSO extérieur classique. Donc, ces BSO extérieurs montent, descendent, s'orientent, et les BSO verticaux, eux, s'orientent. On y a aussi ajouté des stores à l'intérieur pour gérer les éventuels gêne visuelle. On voit là cette double peau, donc le caillebotis bien sûr qui va faciliter la maintenance et le nettoyage des façades vitrées. On est vitré à peu près à 60%, ce qui est relativement conséquent pour un immeuble de bureau. L'architecte voulait vraiment qu'il y ait des vues généreuses sur Lyon. Là, on n'est pas loin de la Part-Dieu. C'est un immeuble qui était précédemment classé grande hauteur, qui, grâce au projet, a été déclassé IGH. Mais on a tout de même de très belles vues sur Lyon. Et donc, il y avait cette qualité-là qui devait être qu'on souhaitait préserver. Bien sûr, des façades rideaux et puis des détails en ce qui concerne les parties béton qui sont bien soignées en termes d'isolation thermique. On a un UCW sur cette façade rideau à 1,5, ce qui était quand même assez exigeant parce qu'on a quand même des couteaux, hein, des couteaux métalliques qui sortent de la façade rideau pour venir porter la seconde peau. Donc, en termes de pont thermique ponctuel, on en a une certaine quantité. Donc là, il y a eu un soin particulier sur la conception de cette façade rideau.
On a intégré dans cette façade rideau des ouvrants qui sont vitrés sur les façades est, sud, ouest et qui sont opaques comme on le voit ici sur la façade nord. Donc on est tramé sur 1,35 m et on a un ouvrant par trame, un ouvrant de 45 cm. Un ouvrant toutes les deux trames, je crois, quand même. Les ouvrants, donc, c'est pour laisser la possibilité aux occupants d'être en contact avec l'extérieur et puis de rafraîchir en intersaison. En ce qui concerne les systèmes, excusez-moi, j'ai. Voilà. En ce qui concerne les systèmes, donc là, on est reparti à zéro. On a à disposition dans le quartier un réseau de chaleur urbain et un réseau de froid urbain qu'on a utilisé, réutilisé, hein, c'était déjà le cas. On a maintenu cette source énergétique parce qu'elle est vertueuse, hein, sur Lyon. On a des émissions de gaz à effet de serre sur le réseau urbain qui sont très bas, grâce à des investissements divers à l'échelle du réseau urbain. Donc c'est ce qui a été conservé et donc on est en sous-sol avec des locaux techniques et puis on vient distribuer donc de l'eau chaude et de l'eau glacée dans les étages de bureaux pour alimenter des ventilo-convecteurs. Donc c'est des ventilo-convecteurs dernière génération, basse consommation. Les pompes sont à débit variable, on ventile avec de la CTA double flux. Avec récupération de chaleur sur l'air extrait. On a des volets d'air neuf dans la distribution aérolique qui sont pilotés soit sur présence, soit sur sonde CO2 en fonction du type de locaux. Donc CO2 pour les réunions et présence dans les bureaux. C'est donc au niveau aménagement, on a aussi bien de l'open space que du bureau cloisonné, une ou deux personnes. Tout l'éclairage et LED est gradé automatiquement en fonction d'une sonde de luminosité. Qu'est-ce qu'on a encore comme dispositif? Au niveau ECS, on est resté très classique avec des ballons électriques dans les sanitaires. Et ce qui a été assez disruptif, je pense, sur cette opération et dans le choix de notre groupement, c'est qu'on a fait le choix d'utiliser la chaleur du data center. Et effectivement, on peut voir, je crois, dans la diapo suivante, l'intérêt que ça a. Donc, dans la diapo suivante, on voit... Alors le contrat de performance énergétique porte sur les cinq postes RT, donc les niveaux de consommation qui sont indiqués ici correspondent au périmètre de ce CPE. Donc voilà les consommations avant la rénovation. L'objectif programme était ici, c'est-à-dire la CARSAT souhaitait une réduction des consommations sur ce périmètre de 60%. Et dès le concours, on a proposé un -75% sur l'énergie, qui se traduisait aussi par une réduction des gaz à effet de serre liés aux consommations d'énergie, une réduction de 85%. Donc on a visé un facteur 4. Concrètement, on a très vite recouru à la simulation thermique dynamique, pour quantifier l'objectif dès le concours, et puis ensuite poursuivre la conception aux différentes phases. On a aussi mis à jour ce modèle de STD sur le DOE, c'est-à-dire à la livraison du bâtiment, pour voir ce qu'il en était avec les choix de mise en œuvre. Et on voit qu'on tient l'objectif, alors avec une petite simulation. Et là, maintenant qu'on est sur cette première année d'exploitation, là, on est en train d'exploiter la donnée pour voir si on est toujours dans notre épure d'objectifs.
Alors bon, c'est un engagement avec un CPE, hein, donc des bonus, des malus. La difficulté là pour cette première année d'exploitation, c'est que on n'est pas du tout dans le cadre d'utilisation, d'usage du bâtiment qu'on avait imaginé, enfin qu'on avait cadré en fait dans ce CPE. Donc ça rend la tâche, l'exercice moins clair et un petit aussi plus difficile. Alors, ça fonctionne, hein, mais ça nécessite des ajustements plus particuliers. Je vous parle de la récupération de la chaleur fatale du data center, parce qu'elle est franchement notable. Hein. En fait, la chaleur qu'il faut fournir pour chauffer le bâtiment, la partie bureau, eh ben, il y a 85% de cette chaleur qui est fournie par le data center. Alors le data center, en fait, appelle du froid en continu toute l'année. On a des groupes froids eau, donc pour rafraîchir le data center. Et l'eau, la chaleur qui est transmise sur l'eau au niveau des condenseurs de ces groupes froids, hop, et c'est ici, est récupérée pour le bâtiment. Et si cette chaleur n'est pas récupérée pour le bâtiment, elle est évacuée sur des dry coolers. Donc on a un taux de couverture par ce data center très important. Je laisse la parole à Maxime. Alors au niveau de la qualité de vie au travail, donc de ce qu'a apporté la conception du bâtiment et aussi la certification là-dedans. C'est premièrement un apport en éclairage naturel important. Donc, comme on voit sur la première image ici, on a un extrait de la simulation d'éclairage naturel en facteur de lumière jour qui a été effectué par Carole. Donc, pour faire le parallèle avec la certification, c'est le niveau performant de l'exigence 10.1.3, donc de la cible 10 sur le confort visuel qui a été visé et atteint. Donc on voit qu'on est au-dessus de 5% de facteurs lumière-jour jusqu'à quasiment la moitié du plateau, donc les plateaux qui sont ici. Et on arrive à quasiment 2% jusqu'au bout, donc l'exigence a bien été atteinte. On a ici une illustration de l'étage en double hauteur, donc le R+8 que j'ai abordé plus tôt dans la présentation. Donc c'est pour bien se rendre compte de l'apport d'éclairage naturel qui a été conçu et pensé. Donc on voit dans ces étages de direction qu'ils sont entre guillemets baignés de lumière. On a une petite infographie ici qui montre l'apport de lumière sur les différentes façades. Et ici, l'enjeu qui était de pouvoir conserver des vues avec les brises-soleil orientables horizontaux, tout en limitant les apports solaires au maximum. Donc on voit que les brises-soleil orientaux permettent de conserver une vue sur l'extérieur qui était une des volontés principales des architectes sur ce projet. Pour ce qui est des espaces végétalisés, donc quelque chose qui a à nouveau été amené par la certification qu'on a pu défendre auprès des architectes qui ont accepté de mettre en place, c'est les toitures végétalisées, donc que ce soit au R+9, donc en toiture ici, mais également les toitures des R+1, donc ces espaces-là. Et également au niveau du sol sur le contour de la parcelle. On a aussi une petite jardinière végétalisée qui vient en face d'une terrasse accessible en platelage bois. Donc cet espace-là, c'est le restaurant. Donc les architectes ont eu la volonté de créer une terrasse en platelage bois pour permettre d'avoir un espace qualitatif pour les usagers qui puissent venir profiter de l'extérieur après leur pause repas. Je vais repasser la parole à Carole pour les solutions passives qui ont été mises en place sur le projet. Donc je vous parlais au préalable des ouvrants de ventilation naturelle. Donc on les voit bien là ici. On les a choisis vitrés en façade
est, sud et ouest. Parce qu'en fait, sur ces façades, on a les protections solaires, les brises-soleil orientables, pardon. Et du coup, en termes d'éclairage naturel, on avait besoin de plus de vitrage. Donc, les petits ouvrants ici sont vitrés. Alors qu'au nord, on n'a pas déployé ces dispositifs de brise-soleil orientables. On se protège uniquement avec les stores intérieurs. Et du coup, en termes d'éclairage naturel, ce n'était pas nécessaire de vitrer autant, d'où ces ouvrants au nord qui sont opaques. Alors en fait, c'est un peu la difficulté dans ces opérations de rénovation de bureaux, quand on a des contrats de performance énergétique très ambitieux, on a envie de contrôler les systèmes. Avoir une maîtrise la plus grande possible. Et on sait qu'en termes de confort et de ressenti, de vécu par les occupants, ce n'est pas ce qui est souhaitable, le full automatique. Et donc, il a fallu panacher un peu les deux. Et les ouvrants de ventilation naturelle sont par exemple une réponse à donner aux occupants de manière à ce qu'ils puissent appréhender l'air extérieur, se rafraîchir en mi-saison, accéder à des petites terrasses. En fait, à chaque étage, il y a un espace de convivialité où il y a les distributeurs de boissons, etc. Avec une petite terrasse ici pour prendre l'air, bien sûr, des portes vitrées pour y accéder. La liberté est laissée en ce qui concerne le contact avec l'extérieur, et on se doute bien que quand il n'y a rien d'automatisé, il se pourrait bien que les déperditions en hiver soient plus grandes parce qu'on ne ferme pas les fenêtres. Donc ça nécessite finalement quand même de l'automatisme avec des contacts en feuillure pour couper l'émetteur de chaud et de froid si la fenêtre est ouverte. Et puis, ça nécessite beaucoup d'accompagnement, en fait, des occupants vis-à-vis de tout ce qu'ils ont à disposition. Il y a des parties automatiques, il y a des parties où ils ont le contrôle. Et ça a été essentiel pour nous de les en informer de manière à ce qu'ils puissent avoir la maîtrise de leurs ambiances et aussi être satisfait des locaux que l'on met à leur disposition. Donc justement, sur la partie, on va dire, performance énergétique, les équipements sont actifs. On est sur des solutions, on va dire, assez high-tech. Tout ça est piloté et centralisé par une GTB. Qui a le contrôle des équipements de chauffage, de rafraîchissement, de ventilation et d'éclairage. Sur des scénarios en fait de planning, hein, d'occupation, d'inoccupation, avec des dérogations par rapport à des sondes de présence, des détections de présence. Et puis là, on voit qu'il y a aussi le petit capteur de lumière pour le pilotage de l'éclairage. Donc, il y a du full automatique par GTB et il y a la possibilité de déroger avec une télécommande. Donc, notre accompagnement s'est aussi traduit auprès des occupants par l'explication de ce qu'ils ont de ce qui est automatique et des possibilités d'en déroger. Donc, c'est ce qui est illustré sur cette slide. La CARSAT nous a demandé donc d'animer trois séances avec les salariés futurs occupants au moment de la livraison du bâtiment. Donc on les a accueillis dans le bâtiment et donc nous avons fait de ce qu'on appelle de l'assistance à la maîtrise d'usage, c'est-à-dire on leur a expliqué le projet, on leur a expliqué les enjeux et puis ce qu'il y avait à disposition, à leur disposition, et c'est surtout, il fallait aussi expliquer les automatismes, ce que ça allait engendrer dans leurs ambiances, aussi bien en termes de renouvellement d'air, que d'éclairage, que de chauffage et de rafraîchissement, c'est-à-dire de température, de confort.
Ça a été très très bien perçu. Donc on va bien sûr, on a accompagné ça avec un guide utilisateur et puis on va relayer ça au quotidien sur l'écran du hall d'accueil. Et si besoin, on reprendra des actions type atelier de sensibilisation. Donc là, la difficulté, hein, c'est l'occupation au quart du bâtiment depuis le problème du Covid. Donc finalement, assez peu d'occupants pour profiter de tout ça et pour animer le sujet. Je repasse la main à Maxime. Oui. Alors, pour ce qui est des bénéfices de la certification sur l'opération, premièrement, elle a permis de poser un cadre et d'englober toutes les thématiques développement durable, performance énergétique, qualité environnementale, mais aussi confort de l'usager au sein d'une même compétence et de pouvoir pousser ces thématiques-là auprès de la maîtrise d'ouvrage et de l'équipe de conception. Donc elle a permis comme on l'a vu précédemment, d'obtenir des espaces qualitatifs, que ce soit en performance énergétique, mais aussi en qualité d'usage avec le travail des architectes. Elle a permis également, en chantier, de pouvoir un petit peu challenger les entreprises avec leur suivi des consommations. On a vu qu'il y avait potentiellement des dérives qu'on a pu prévenir et qu'on a pu anticiper et corriger. Que ce soit aussi bien avec leurs prestataires extérieurs, donc je pense notamment aux prestataires déchets avec lesquels on a dû faire des efforts pour trouver des prestataires avec des quantités de valorisation intéressantes et qui pouvaient nous permettre de respecter les objectifs qu'on s'était fixés. Donc cette certification en conception et réalisation, qui était la certification HQE Rénovation, a permis de continuer, vu que ça s'était particulièrement bien passé, qu'on a eu des objectifs atteints et intéressants, de continuer en exploitation, donc l'exploitation qui est aujourd'hui en train d'être mise en place, qui va être suivie, qui va être continuer à être suivie tout au long de notre mission. Cette certification en HQE exploitation, elle a permis de confirmer les bonnes pratiques et surtout de prévenir des éventuelles dérives avec l'accompagnement qu'a présenté Carole. Elle a intérêt aussi bien pour le client au niveau de son suivi énergétique et de la prévention des consommations énergétiques et d'eau qu'au niveau de nous, du bureau d'études. Ça nous permet de comparer le modèle qu'on a créé au cours de la conception, de le comparer avec l'utilisation et surtout d'avoir un retour d'expérience sur la consommation et l'exploitation d'un bâtiment de rénovation de cette ampleur. Donc, on arrive à la fin de la présentation. Merci de nous avoir écoutés.